Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Et puis, ben, écoutez, on est au 26 décembre 2020. Nous sommes au jour 2 de ce défi des 100 jours. Alors, moi, je suis au 25, mais vous êtes au 26, donc il y a toujours une petite journée de décalage. Et puis, ben, écoutez, quoi vous dire de beau? Merci déjà pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés. Joyeux Noël encore à vous, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo. J'ai été très, très, très gâté. Comme vous pouvez le voir, ma chérie m'a fait le cadeau de m'acheter des AirPods pour que je puisse faire des belles vidéos, écouter ma musique comme il faut. Et j'avais du coup envie de vous parler de la journée d'hier. J'avais émis l'intention d'améliorer mes relations, ma relation avec mon père. Mais écoutez, alors j'ai fait la vidéo, mais j'ai oublié d'en parler. Au moment où je mets l'intention, je pars acheter plusieurs trucs pour Noël, pour le réveillon. Et j'ai eu, à la grande surprise, un message de mon papa. Et je me suis dit, j'avais pas envie de rester un peu en froid, je l'ai appelé. Et puis, ben, on a passé un très très bon moment au téléphone, mis à part qu'il y avait toujours des tensions. On s'est souhaité un joyeux réveillon. Aujourd'hui, j'ai souhaité un joyeux Noël à mon père aussi. Il m'a souhaité pareil, il m'a dit, mamie, un petit je t'aime à la fin. Voilà, donc ça, c'était pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et je vous montre un petit peu quelques photos et vidéos de notre tablé, de notre réveillon de Noël. On a passé un super moment en famille, ça a été très très chaleureux et ça a fait du bien en cette période-là. Aujourd'hui, du coup, j'avais mis comme intention de passer une bonne journée, d'être dans la joie et tout ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai repris le défi des 100 jours, je me sens vraiment bien. J'ai eu une petite période un peu fin d'après-midi fatiguée, un peu aigrie, mais ça, j'essaye de passer outre tout ça. On est allé faire une petite balade, on a mangé les restes de la veille de Noël. Vous voyez, je suis habillé en pull de Noël comme hier soir. Et puis voilà, je pense que ce défi va juste être extraordinaire, ça va être pas mal. Beaucoup, beaucoup de choses qui vont s'améliorer, je pense, dans ma vie, prendre plus soin de moi, plus soin de ma famille, etc., de mes proches. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Donc avec ma chérie, on est parti se balader. On devait se balader en forêt, mais le temps a fait en sorte qu'on ne pouvait pas. Ce qui est dommage, mais bon, c'était quand même c'était assez cool de se balader. On est allé voir sa maman, on est allé boire le café, manger de la bûche de Noël. On a emmené sa petite sœur en centre-ville, pareil, de Limoges. On est allé se balader, il faisait très froid. Mais je me suis ressourcé, je suis parti recharger une pierre. On est allé dans une église et moi, j'ai ce caillou que je me sers pour les énergies, etc. Et je l'ai rechargé dans cette église en y pensant tout simplement, en mettant l'intention de le recharger. J'ai rechargé ce caillou. J'ai eu la chance aussi par ma chérie d'avoir ce bracelet en pierre, donc en œil de tigre, en magnétite, et l'autre je ne sais plus ce que c'était, donc voilà. J'ai eu une belle lampe aussi, des belles chaussures, voilà. Que des très très belles choses. Et puis voilà, donc je voulais juste faire ce petit message vidéo pour vous dire ne lâchez rien, soyez positif. Mon défi des 100 jours se déroule super bien. On va faire en sorte de le terminer. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour me montrer votre soutien. Et puis, on se retrouve demain ou dans une autre vidéo. Je ne sais pas si je ferai une vidéo demain, mais on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo du défi des 100 jours. C'était Vince. Je vous fais de gros bisous. Ciao!